Le Centre des libéraux réformateurs, récemment en session extraordinaire, la redynamisation du parti, le dialogue politique et les élections législatives à venir étaient au menu des discussions et c'était en présence de Jean-Raoul Mbadiga. Quelle que soit la place offerte au CLR dans la majorité républicaine, le commissariat politique a scellé définitivement sa position. Jean Boniface Asselé se battra pour sa représentativité, celle du CLR. Nous allons tourner les recommandations que vous avez faites, nous allons les reprendre à notre compte, au niveau de la direction du parti, pour que finalement vous soyez présents dans nos esprits et que dans le travail que nous allons faire, on ne va pas vous oublier. Le commissariat politique extraordinaire se tenait au moment où le dialogue politique arrive à grands pas. Le CLR sera bien présent au dialogue national. Nous pensons au CLR que participer au dialogue politique nécessite de consulter le plus grand nombre de militants, d'où la convocation de ce premier commissariat politique extraordinaire pour non seulement évoquer les problématiques liées autour du dialogue, mais également aborder les questions de restructuration et de redynamisation du parti et les prochaines élections législatives prévues au mois de juillet de cette année. Ce commissariat politique se déroulait en présence des délégués venus de l'intérieur du pays. Ils situaient la nouvelle orientation du Centre des libéraux réformateurs. Nous avons parlé de restructuration, de redynamisation et de questions électorales, à savoir qu'il était le moment pour nous de faire l'état des lieux où le parti en est, en termes de structure, en termes d'animateurs de ces structures et également en termes d'implantation sur le terrain, en termes de représentativité par rapport aux résultats qu'on a obtenus dans les élections. Réorientation pour une redynamisation avec des schémas politiques adaptés aux exigences de la majorité et au nouvel ordre politique national à venir pour les législatives déjà à l'horizon. Commencer à travailler, d'arrache-pied parce que la bataille sera dure, mais je suis vraiment rassuré que ce parti est dans l'avenir. Toutes ces décisions prises seront entérinées au prochain congrès du CLR. Et on parle d'autre chose à présent. Après la présidence de la République, le sénateur représentant les Français de l'étranger a été reçu par le président du Sénat, Madame Lucie Milebou-Aubusson, épouse Mboussou. Alors les deux personnalités ont fait un tour d'horizon de l'actualité. C'est un entretien de plus d'une heure qui a donné l'occasion au président du Sénat, Madame Milebou Aubusson, épouse Mboutsou, et Olivier Cadic, sénateur représentant les Français de l'étranger,
d'échanger sur les questions politiques, de démocratie, de la crise post-électorale, du dialogue national, des échanges politiques à venir et des échanges bilatéraux et commerciaux entre Libreville et Paris. Ma venue au Gabon a avait deux objectifs. Le premier, c'est de me faire ma propre idée, ma propre opinion sur la situation du pays d'un point de vue politique suite aux dernières échéances. Et puis la deuxième, c'est le côté économique. J'ai un rôle de promouvoir notre commerce extérieur, et qui dit promouvoir le commerce extérieur, c'est promouvoir les échanges. De l'échange fructueux et chaleureux entre les deux personnalités, le docteur Lucie Milebo-Obusson et Pose Mbutu, faisant le point de la situation politique au Gabon, regrettera le jugement souvent actif fait sur la scène internationale sur le Gabon. En évoquant le dialogue national, convoqué par le président Ali Bongo Ondimba, le président du Sénat expliquera à son hôte le bien fondé de celui-ci et estime que les réformes engagées lors de cette grande rencontre ramènera la sérénité, la stabilité, le calme, une analyse qui trouve l'assentiment du sénateur Olivier Cadic. Ce que j'ai apprécié avec le discours de Madame le Président du Sénat, c'est cette volonté de faire réussir un dialogue politique, national, qui a pour objectif de rassembler tous les Gabonais. Et donc, évidemment, il y a une évolution nécessaire. Le monde a changé. Les institutions doivent aussi accompagner ce changement. En conclusion, le Président du Sénat, Lucie Milebo-Obusson et Pose Mbutu, dira à son hôte que le Gabon a besoin d'un environnement stable, serein et apaisé pour que son avenir se dessine avec sérénité et confiance. L'échange de cadeaux et la signature du livre d'or du Sénat a mis fin à cet entretien.